This can't be real. So tell me, what's the deal? There's something about this picture. This can't be real. So tell me, what's the deal? There's something about this picture. This can't be real. So tell me, what's the deal? There's something about this. She's the most beautiful girl that I've ever seen. Her style and her smile got the best of me. I wonder what her name is. Skip the pages, yeah. Oh, this can't be real. There's something about this picture. I'm living a fantasy. I'm in love with the girl that's out of my infatuation of the imagination of a wonder machine turns me on, yeah. Oh, what a king are you doing? Just to see cause I need to throw this magazine away. Do I feel this way? Cause I know that I can't have her. Is this a mind game that I like to play? This can't be real. This can't be real. Par le pouvoir du tout puissant et la réalité de sa puissance, réellement et de manière non exhaustive, diversement manifestée dans la réalité et dans les réalités. Le Dieu auquel nous nous soumettons et nous inclinons, en demandant respectueusement à ce que le propos suivant soit le plus vrai possible et donc réel, dans l'étendue de la réalité qu'il se proposera de couvrir ou parcourir. Que mes vénérables ancêtres et nobles familiers soient honorés, salués et respectés, remerciés qu'ils le sont par leur fils pour leur acceptation et le concours au dévoilement à son avantage de la réalité des réalités. Je salue l'ensemble de mes frères et sœurs à l'écoute avec qui je partage ma réalité et me propose modestement d'apporter ma contribution à la compréhension des réalités qui les affectent. Le préambule musical évoque l'histoire d'un homme qui est tombé sous le charme d'une belle demoiselle en couverture d'un magazine à tel point que son esprit s'en trouva hypnotisé. Il ressort de ce qui précède et ce qui fut écouté que la diffusion de l'image en général et de nos images respectives en particulier dans la société est sujette à équivoque. Car totalement détachés de la réalité, les gens s'en accommodant parfaitement. En faisant cela, c'est comme si, en communiquant faussement sur son image, on restreint par là même l'étendue de nos champs d'expression et d'action. Fort de la parfaite conscience que la réalité, la vérité finit toujours par se dévoiler. On se limite donc, en acceptant d'hypothéquer une partie de notre temps de notre vie, à vivre et communiquer à travers nos diverses interfaces, la plupart du temps en étant enfermés sur nous-mêmes. On se replie sur soi, sans réellement s'en rendre compte, et on se crée sa propre prison. L'ennemi n'a dès lors plus besoin d'user de subterfuges pour cela, bon gré que nous sommes disposés à nous rendre nous-mêmes à l'abattoir. L'image, c'est très important. La bonne image véhiculée, je trouve que c'est bien aussi. Quant à la fausse image, je pense n'avoir pas besoin de vous indiquer quelle est ma position. Je pense humblement
qu'il nous sera fort profitable d'essayer de résister et éviter de trop nous laisser aller et rester nous-mêmes, pour nous permettre d'être plus heureux, plus expressifs, plus vrais, et ainsi gagner notre liberté sur ce plan. J'espère sincèrement qu'il nous sera permis à l'avenir de jouir des bénéfices que pourrait nous apporter la prise en conscience de cet état de fait par le pouvoir du Tout-Puissant. Yamen bro, free spirit, it can be real, me I say. It gotta be me affirm. Free out. Peace.